enfin, un super ballon avec un pilote plus que super. Boum! Il a un crocagator injecté, un zigolateur à cucutron et un capaciteur infrarose. Ouais, je suis si génial que j'ai tout fait moi-même. Il restait même des pièces en plus à la fin. Prêt à y aller, chef? Bon, voyons ce que peut faire ce bébé. Wow, ça c'est une tornade! Et elle détruit le château pièce par pièce! C'est presque aussi impressionnant que mon génie. On dirait que ces sbires de Drow ont trouvé le machin d'air éternel et qu'ils essaient de maîtriser son pouvoir. Je crois! Oh, regardez-moi ça, une espèce de pont. Enfin, pour le moment, c'est un gros tas de trucs coincés au milieu du vortex d'une bonne vieille tornade des familles. Mais bon, suffit de le reconstruire. Fastoche! Excellent, jeune maître. En retrouvant la source de l'air éternel, tu m'as invoqué, moi, Éon, dans ses ruines. Une puissante magie habite ces lieux. Et grâce à elle, les sources éternelles peuvent se combiner aux anciennes machines de l'île pour recréer le cœur de lumière. Prudence. Quoi ? Oh, regardez, Seigneur Chaos. Ils ont trouvé la source de l'air éternel. Je vois bien qu'ils ont trouvé la source de l'air éternel, imbécile. Mais regarde qui est avec eux. Éon. Mais comment est-ce possible? Je l'ai explosé. Boum, splash, bam. Et pourtant, il est là. Eh bien, au moins, il n'a pas de corps. Certes, mais à l'évidence, quelqu'un l'aide. Mais qui et qu'est-ce qu'il prépare? Eh bien... je ne suis pas exactement un expert, mais il doit y avoir un autre maître du portail. Ils sont probablement en train de recréer le cœur de lumière. Quoi ? Nous ne pouvons pas les laisser faire. Trouver les autres sources éternelles, peu importe où elles se trouvent. Trouvez-les ! La source de l'air éternel a été intégrée au cœur. Excellent travail. Bon, tout se met bien en place, mais j'ai besoin de temps pour planifier l'étape suivante. Pourquoi ne vas-tu pas enquêter sur les docks? On dirait qu'il s'y passe des choses. Oh, c'est pas passé loin. Je te cherchais, Skylander, mais au lieu de ça, j'ai fini dans cette cage et j'ai presque fini en courroux de chaloff. Oh, noix. Tu n'as pas de mouton avec toi, par hasard, monsieur le poisson? Gurgalfé. À tes souhaits. Non, c'est mon nom, Gurgalfin. Je suis un Gilman, pas un poisson. Et où est-ce que je pourrais ranger un mouton? J'ai pas de pantalon. Oh, oui, je vois. Je te cherchais, Skylander. Je viens d'une île proche dont les trolls se sont emparés.
Mon peuple a été réduit en esclavage. Aide-nous. Des trolls. Très dangereux. Pas autant que les moutons, mais quand même. Il faut les aider. Tout ça me méduse. Pardon. Un peu de tenue. Super. Je savais que je pouvais compter sur toi. Enfin, quelqu'un qui me prend au sérieux, au lieu de me dire que je suis un poisson ou qu'il n'a pas le temps parce que le tentacule. Allez, on y va. Ouais, cela dit, mieux vaut s'agripper à quelque chose.